Mont, de rouler avec nos voitures. Et puis en plus, ce rallye des fins hivernales est un rallye à une organisation exceptionnelle. On risque pas d'abîmer le véhicule comme ça avec le sel. Les jours derniers, avec le pistolet à graffité, j'ai mis mélange d'huile de vidange et de mazout sur le dessous de la voiture pour protéger. Et puis lundi, ce sera un bon coup de karcher pour laver tout. Et la voiture ne risque pas de s'abîmer? Ben, on y fait attention quand même. Mais parce qu'il y a des véhicules qui datent quand même de quelques années ici. C'est, ah ben, c'est toute voiture d'avant 31. Qui roule encore, évidemment. Ben, je suis venu par la route, moi j'ai fait 60 km pour venir. Et celui qui vient le plus loin, il vient de où par exemple? Ah, ça je ne saurais pas vous dire, mais il y en a de Hollande. Il y en a peut-être d'Angleterre, je regarde. Vous êtes à combien de véhicules? Aujourd'hui. Je crois une vingtaine aujourd'hui et je crois 30, 32 à partir de samedi. Oui, parce que ça dure plusieurs jours, quoi. Oui, oui, jusque dimanche, midi. Et ça existe depuis plusieurs années, c'est la 30e année, je pense, non? Troisième, vous? Troisième année. C'est le 50e rallye. 50e rallye, déjà? Oui, mais moi, je ne les ai pas fait tous. Parce que dans le temps, dans les années 70, quand j'étais plus jeune, mais je me disais, il faut être fou pour rouler en hiver, dans le froid, avec des voitures anciennes. Décapotables. Oui, on n'est pas obligé de décapoter quand même. Mais alors maintenant, devenant vieux, on devient toujours plus sot. Comme on dit en bon wallon, on te dit plus vite, on te dit plus sot.